Salut YouTube et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 d'Alundra. On est reparti pour 25 nouvel épisodes. Donc là, effectivement, c'est le numéro 25. Mais c'est la saison 2, donc c'est l'épisode 1. Voilà, c'est comme ça. Alors, le truc, c'est que... Oui, alors, oui, excuse-moi. Je dis donc bonjour parce que nous sommes en live. Nous enregistrons donc cet épisode le mardi 8 novembre 2016. Et bonjour, bonsoir effectivement à Cartman Premier, à Zamon et à Tacti215. Bonsoir à vous les gars. Alors ça fait bien longtemps que j'ai pas joué. Je ne sais plus ce qu'il fallait faire. Je ne me rappelle plus des touches. Donc oui c'est ça. Carré pour attaquer. Rond pour balancer une bombe. Triangle je crois que c'est pour sprinter. Et croix pour sauter. C'est ça. C'est revenu. Alors... Je crois que de mémoire, l'épisode 24, il s'était rien passé. On avait fait une balade mais qui n'avait servi absolument à rien. Donc, on va essayer un petit peu de faire avancer l'histoire. Gilet vivant, tu l'as sauvé? Je ne te crois pas. Il faut que j'aille le voir. Le voir? Le voir? De mes propres yeux. Salut YouTube, mets un pouce bleu. Exactement. On peut toujours pas parler au chien. On peut pas le taillader non plus. Alors, les poules, on peut leur faire peur. Du coup, je sais plus ce que c'était la suite de l'histoire. On était sorti de Magiscar, je crois. Comme c'est étrange que le chancelier Ronan ne soit pas là. Lui et Gilles sont comme père et fils. N'as-tu rien entendu à Magiscar? J'ai cru, à vrai dire, c'est un peu embarrassant. Mais je crois avoir entendu quelqu'un gémir. Quelqu'un ou... Quelque chose. Tam tam tam. Et ça, je crois que je l'ai fait aussi dans l'épisode 24. Donc en fait, on a déjà fait ça. On va aller voir du coup au monastère. On va aller faire un petit tour au monastère parce que je ne sais plus du tout, du tout, du tout ce qu'il fallait faire. Ah, du flouze! Donnez-moi du flouze! Moult pognon. Non, de la vie, c'est bon, je suis full. Est-ce que j'avais pas des courses à faire? Genre, ça serait bien de trouver une potion de force. Alors, ce jeu, hein, pour ceux qui découvrent Alundra ce soir, eh bien, c'est un jeu donc qui est sorti en, j'ai dit quelle année? 95? 80... Ouais, je crois que c'est ça, 95 sur PlayStation, première du nom. C'est un jeu, c'est le Zelda en fait eh bien, de la PlayStation, ni plus ni moins. Ah, une potion, bah non, ça je l'ai. Ah, bah non, en fait, donc j'ai déjà tout. On peut pas encore prendre la cuirasse. Donc ce jeu a vraiment bercé mon enfance. Il est extrêmement difficile. 97, ah d'accord. Il a quand même super bien vieilli. Ah, bah ouais, moi je trouve qu'il est toujours aussi bon. Hein. 1997, merci les gars, merci de me reprendre. Et non, je crois que c'était fermé. Eh oui, c'est verrouillé. Ah putain, c'est quoi la suite de l'histoire? Alors ce jeu, c'est ça, c'est qu'il est vraiment hyper dur. Ta bravoure te ferait commettre des imprudences, mon ami. Mais je ne voudrais pas que le sauveur de notre terre soit différent. Merci, Quasimodo. Ça me fait plaisir, enfoiré. Touchez ma bosse, monseigneur, elle vous portera bonheur. Mais je crois qu'on était allé par là déjà. Oh, putain. Oui, on a dû faire parce que je vois qu'ici c'est allumé, c'est vert. Le jour, la nuit, bal, qui sont ceux qui sont nés, obscurité, père, éclat, éternel. Il y a trop de poussière pour pouvoir déchiffrer. Alundra l'enlèvera-t-il? Non, non. À quoi ça sert? Lorsque le jour émergera de l'ombre, la nuit sera balayée par la lumière. Les créatures nées des ténèbres périront dans l'éclat chaud de la lumière éternelle. Si vous avez compris, appelez le 3618 et dites, j'ai compris. Un agent du FBI viendra vous recruter. Alors, au lieu de tourner comme un demeuré pendant 20 minutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir la mamie qui est normalement capable de nous donner, en échange de quelques pièces, la bonne direction. Alors, vos gueules, les poules. Alors, mamie. Mamie.
Veux-tu connaître ton destin, libérateur? S'il te plaît. Oh, je vois, je vois. La lumière de ma boule de cristal me révèle le chemin que tu t'apprêtes à emprunter. Je te vois à l'endroit de la mort et de la renaissance. Tu veux en savoir davantage, libérateur? Ma sagesse te coûtera la misérable somme de 15 florins. Tu es d'accord? Ah bah, c'est un peu cher quand même pour une sagesse. Je croyais que la sagesse, ça se distribuait, c'était gratos, mais apparemment pas dans ce jeu. Allez, tiens, tiens, tes 15 balles. Ton chemin brille de tous les feux de l'amour dans la boule de cristal. Dans la bouboule. Ah, c'est tout au nord. Ah bah parfait. J'aurais pu chercher longtemps. Les chemins te menant vers ton destin traversera un endroit appelé Magiscaire. Ah putain, on ne l'avait pas fait encore, Magiscaire. Oh. J'ai des vagues souvenirs qui me reviennent et ça va être l'enfer. Tes yeux se posent sur une obscurité aussi épaisse que la nuit, mais tu trouves la lumière dans ton cœur et avances. Ah, comme si tu ne craignais rien. Pendant un instant, j'ai cru lire. J'ai cru lire pomme. Je me disais, mais ça ne sert à absolument. Enfin, ça ne veut rien dire. La force et les pouvoirs magiques ont été totalement restaurés. Va! Si tu t'égares, reviens ici et laisse-toi guider par le savoir du cristal, en échange de 15 balles quand même, hein, faut pas déconner. Allez, Zou, allons au nord. Cassons-nous de ce village de consanguins. Alors, je sais pas s'il existe des speedruns de ce jeu. Je serais, je pense, agréablement surpris de voir quelqu'un torcher ce jeu aussi vite. Mais c'était pas par là qu'il fallait rentrer, justement? Non, c'est plein nord. Mais qui a mis un mur ici? Qui est le demeuré qui... Oh. Allez. On est parti à l'aventure Moussaillon. Plein nord, hein. Alors, je vais te répondre honnêtement, Tacti de 215, je m'en contrebalance. Mais vraiment. Je suis là pour jouer aux jeux vidéo et pas pour excuser les gens. Tout simplement. Pas pour me faire emmerder en plus pendant mes lives. Alors du coup, oui, ça c'est un téléporteur, mais il n'est pas activé pour l'instant. C'est normal. Meurs! Blob dégueulasse! Ouais! Ah, alors attendez, oui c'est ça, on change avec ça. Fléau de fer, parfait. Ça c'est quoi ce drapeau là? Attendez. Oh mais... Mais non, mais pourquoi tu te barres? Oh, tu m'as fatigué. C'est bon les gars, j'ai chopé les drapeaux. C'est bon, on peut rentrer. Alors, on est où là? Ah mais oui, non mais on l'avait fait ça aussi, on avait essayé, on n'avait rien trouvé, on n'avait rien compris. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, on va tester. Bah voilà, tout simplement. Est-ce que je suis dans la caverne? Ah Magiscar, parfait. On y est. Alors là c'est le début de, là c'est le début de l'enfer. Merde! Oh là là, je me rappelle plus des patterns des ennemis, ça va être horrible. Ah mais je peux pas passer, je crois, j'ai pas les... Attendez. Essayons avec ça.
Ah, je crois qu'il me faut le bâton de feu. Ou alors, non, je peux prendre le chandelier. Oui. Et normalement. Ah, parfait. Exactement ce que je ne voulais pas faire. C'est pas grave, heureusement, il y en a d'autres. Parfait. De la vie, s'il vous plaît. Oh putain, on va tellement mourir comme des caca. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, Zaman. Bienvenue sur Twitch, le pays merveilleux des où les gens aiment s'inventer des dramas. Ça me fatigue. Honnêtement, ça me fatigue. Alors, comment. Qu'est-ce que ça se passe ici? Non, mais sors! Oh, le bâtard. Oui, regarde la bombe. Oh, la belle bombe. D'accord. Donc on peut monter sur cette plateforme. Alors ça doit être une plateforme de sauvegarde, si je me rappelle bien. Parfait. Non, d'abord on va réinitialiser. Ça c'est quoi? C'est la magie, donc la vie, c'est ici. Très bien. Ça me revient. Putain, ça me... Enregistrer les progrès, oui, bien évidemment. Sélectionne ta fente. Allez, c'est parti. Non, barrez-vous. Ah putain, je peux pas. Quoi, je peux pas monter là. Putain. Je peux pas monter? What? Attendez, restons calmes. Ah d'accord, je peux aller par là, d'accord, ok. Il y a un interrupteur. Allons activer cet interrupteur. Oui? Non? Putain, ça va être compliqué. Donc là, je peux pas remonter. Ça m'arrange parce que sinon, je me fais trucider par. Est-ce que je peux le prendre? Non. Est-ce que je peux balancer une bombe ici et espérer que ça éclate? Absolument pas. Alors, une dernière fois, Tacti 215. Ce qui déjà d'une, ce qui se passe sur le Discord n'a pas à ressurgir sur un live, et encore moins lorsque c'est pendant l'enregistrement d'une vidéo de YouTube. Donc, on va dire que c'est le dernier avertissement, parce que sinon, je vais sévir. J'en ai un peu marre en fait, de garder des gamins dopés au sucre. On n'est pas dans une cour de récré. Alors, essayons avec ça. Raté. Vite. Oh oui, ça marche! Incroyable! La lucidité d'un homme. Ou pas. Oh! Il y a l'air d'y avoir de la grosse bébête dans le coin. Ah, des morts-vivants! Ah, ça va être un enfer! J'imagine qu'il faut pas se foutre sur les. Voilà, sous les gouttes. Ah, mais en fait, il. Ah, d'accord. Il fait apparaître. C'est lui qui fait apparaître les ennemis. Très bien. Non, mais meurs. Meurs de décès. Oui, de la vie, merci. Oh non, pas toi. Oh non. Meurs. Meurs de décès. Oh le petit bâtard. Oh merde. Reste là. Non.
Mais t'enfuis pas, sac à vin. Alors bien évidemment, il fallait en plus que ça soit complètement, voilà, chiant, hein, à traverser. Oups là. Et merci Tenchi pour le host. Merci beaucoup. Ouais, du flouze! Et si le délai, effectivement, Zaman est super long et enfin c'est fou. C'est un vrai labyrinthe ce jeu, c'est un casse-tête. Et une difficulté de tous les diables. Encore du flouze! Non mais sors. Et merci Tacti pour le host. Ah putain, je l'avais bloqué. Ah non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais alors là, absolument pas, Jean-Michel. Hors de question que tu fasses ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Quand on maintient la touche d'attaque, ça nous permet de balancer une attaque plus forte. Merde. D'ailleurs, on va peut-être en prendre un, en fait. Prenons-le. J'ai pas vu que ma vie était autant baissée. Alors, non, reste là. Ouais, reste là. Vous me fatiguez. Viens me voir. Voilà, viens, ou bouge pas. Le petit futé. Ah bah voilà, merci, au revoir. Oh, bonjour. Oh, la sale bête. Ah putain. Quel enfer. Du cul. Du coup, je sais plus du tout où il faut. Bah, en fait, on va retourner où j'étais. Mais cette fois, on va monter sur la plateforme. Ah non. En fait, ça servait à rien ce passage. D'accord. Ah mais monte, merci. Apprendre ça, je crois qu'il y a un truc à faire brûler par là. La lucidité d'un homme. Voilà. La puissance intellectuelle. Bac plus 2, les enfants. Alors ça sent tellement... Ah putain! La plateforme à diriger, ça va être un enfer. Voilà. Hop 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 hop. Non, 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 non! Ah putain! Ça va, au final, on s'en est pas trop mal sorti. Ah, ça, c'est épique. Voilà. Super. Super. Merci. Bravo, le veau. Oh putain, mais je perds toute ma vie là. De la vie, s'il vous plaît. Par pitié de la vie. T'as pris cher sur le tapis volant. Ah ouais, non mais le devoir comment dire, devoir anticiper le truc, mais je m'en doutais, hein. Oui, merci. On va prendre un petit peu d'herbe, hein. Oui, c'est bien. L'enfer.
Ah, je m'en serais voulu de l'avoir raté. Oui, bonjour, au revoir. What? Attends, comment je monte là? Oh putain! Attention, grosse ambiance. Attention, grosse ambiance. Oh putain, j'ai toujours rêvé de jouer les déménageurs bretons. Je vous jure. Un rêve qui devient réalité grâce à Alundra. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup... Ah, mais on parie que là, je pourrais pas monter même avec les deux tonneaux. Allez. Allez, je tiens les paris. Ah oui, surtout si je fais ça. Bravo. Bravo, le veau. T'es trop près du mur. Non, re. Voilà, là c'est bien. Voilà. Bonsoir mademoiselle. Ma vie c'est de la merde. Ah! Oh putain! D'accord. Une clé! Question, vous avez vu un endroit où c'était... où c'était fermé à clé? Pas de soucis, eh bien écoute, bonne nuit Zamon, et merci d'être passé, merci à toi d'avoir suivi le stream. Et à la prochaine! Et oui, demain soir, je stream à partir de 21h. On fera du Retro Achievement. Voilà pour le programme de demain soir. Ok, c'est bon. Ah putain, c'était bon. Faut retraverser tout ça. Mais quel enfer! Oui, oui. Nous allons passer. Nous sommes passés. Enfin, presque. Non mais, par pitié. Oh, ça va être un enfer. Ah voilà, ça c'est beaucoup plus efficace. Ah mais si, voilà. Quoi? Bon, allons, reprendre de la vie. Ça fait combien de temps que j'ai lancé le jeu sur le chat? Est-ce que vous avez est-ce que vous savez à peu près combien de temps? Voilà. On prend ça et ça, on sauvegarde. Si vous pouvez me dire si ça fait 20 ou 30 minutes, si ça fait que 10. Je pense que ça fait à peu près 20-30 minutes. Histoire enregistrée, parfait. Ouais, ça peut me donner... malheureusement, le uptime ne donne pas le temps depuis que j'ai commencé à jouer à Alundra, en fait. Ah, ça va être le bonheur ici. Ah, je vous assure, on va s'en jaillir. Alors, la question c'est, est-ce que d'ici
si j'utilise l'arc. Ah putain, que dalle. Hein. Je suis plus haut que. Ah non, j'ai l'air d'être sur le même plan. Ah non, ils sont plus bas, d'accord. On va y arriver, hein. Flèche illimitée. Ah putain, automatiquement il y rappelle. Hein. D'accord. Ça va être un enfer du cul. Oh putain. Bon, barrons-nous. Ah mais je peux pas. What? Meurs de décès. Oh putain. Bon, Edin. On va y aller étape par étape. Qu'en pensez-vous? Oh putain, lui il arrive trop vite. Non, restez par là, c'est bien par là. Regardez. Oui, c'est bon. Ah putain, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Bonjour mademoiselle. Ma vie c'est de la merde. Est-ce qu'on peut péter? Ah, j'ai pas l'impression. Et avec la bombe, je crois que ça avait pas fonctionné le premier coup. Donc ça m'étonnerait que ça fonctionne encore cette fois-là. Ouais. Ça, on peut pas le déplacer. Lui, il va me faire chier. Ah putain, pourquoi je fonce dessus? Ah, ils sont deux. Bonjour les enfants. Ah, et lui il les rappelle, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi? Ouh, bah dis donc, il est pas passé loin celui-là. Ouais. Parce que là, on est d'accord, je ne peux pas monter ici. Là-bas, donc c'est mort. Ça me bloque. Je pense qu'il y a un truc à faire pour faire descendre. Mais si c'est battre tous les ennemis, on n'est pas dans la merde. Oula, deux points de vie. Ça pue. Je peux pas monter sur les plateformes. J'ai déjà essayé. Alors, voyons voir. Salut Alien, comment vas-tu? Quel enfer! Mais qu'est-ce, comment voulez-vous que je batte ce truc là? Les autres, je ne peux pas grimper dessus, sinon je vais dans les pics. Donc là, c'est un autre délire.
Alors, c'est peut-être pas par là, hein. Toujours ça le problème avec Alundra, c'est que des fois la route qui semble la plus simple, ce n'est pas forcément la bonne. Quoi? Quel enfer! Ah putain! Ah putain, bougez pas, j'ai une idée. On va reprendre de la vie. Adam's Family sur Game Boy. Ah bah dis donc, t'es motivé. La force physique a été totalement restaurée. Enregistrer tes progrès? Oui. Alors, si vous voulez savoir quelle est mon idée merveilleuse, eh bien écoute, YouTube, il faudra que tu regardes la vidéo qui sort, eh bien, très bientôt, la suite de l'aventure. Ciao YouTube, à la prochaine.